Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Monster Hunter Riders dont le trailer a été dévoilé aujourd'hui même. Et il s'avère que moi je suis un grand fan de Monster Hunter Stories, il y a même un let's play sur la chaîne, j'étais totalement conquis que ce soit par la patte graphique abordée par le jeu ou par ce qu'on pouvait y faire en termes de personnalisation en changeant les éléments des monstres et tout, c'était juste génial. Je vous invite à jeter un coup d'œil à ce RPG sur ma chaîne YouTube en tapant Xeleco Monster Hunter Stories si vous ne connaissez pas du tout. Et donc l'annonce de Monster Hunter Riders qui n'est pas directement Monster Hunter Stories 2. Donc croisons les doigts puisque celui-là, Monster Hunter Riders, va sortir sur iOS et Android, donc sur téléphone portable ou émulateur ou quoi que ce soit. Et apparemment, il serait prévu au 29 février. Pour le coup, on va regarder le trailer ensemble et on en reparle un petit peu plus après. Ça donne envie parce qu'il y a plein de monstres qui n'étaient pas dans Stories. のちに竜騎十傑と呼ばれる竜を狩る10人の騎士が大厄災からこの地を救い、人とモンスターの新たな縁を結んだ。そして数百年の時が流れ、人とモンスターが共生するこのフェルジア大陸を再び黒の悪意が包み込もうとしていた。 Attention, le plus beau est à venir. Celle-là. Ah, oh, yes. Et là aussi. Cœur à Jang. Le Théostra. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, comme vous l'aurez compris, on se retrouve plus avec les enfants de Monster Hunter Stories. Donc vraiment, t'avais un petit personnage et tu suivais l'aventure. De ce que j'ai compris au niveau de cet opus, tu aurais directement l'affiliation d'un héros avec un monstre. Ce qui fait, c'est pour ça qu'ils ont les thématiques de stuff, etc. Puisque soit ils vont prendre une direction complètement gacha, et là c'est un petit peu la surprise, parce qu'apparemment le jeu va être free-to-play. Alors pour ceux qui ne savent pas déjà sur Monster Hunter Stories, c'est un jeu qui était sorti sur 3DS. Déjà il y a un petit bout de temps, ça fait genre 2-3 ans. Et ça avait plutôt bien marché pour un jeu 3DS, mais c'était un fiasco pour un jeu Monster Hunter. Même si je crois qu'il avait dû faire 350 000 ventes, ce qui est vraiment, au Japon, énormément de ventes pour un jeu lambda. C'est vraiment mauvais pour un Monster Hunter qui doit faire genre 1 500 000. Mais pour le coup, je suis content de voir qu'ils n'ont pas abandonné cette licence, même si pour l'instant on a un truc annexe et qui prépare peut-être le terrain pour dire est-ce que les gens sont intéressés, est-ce que ça vaut vraiment le coup de développer un moteur sur la Switch pour faire Monster Hunter Stories 2, et là vraiment je croise les doigts que ce soit le cas. Ils nous ont sorti et ils nous ont adapté Monster Hunter Stories sur mobile. Donc le jeu existe déjà, vous pouvez aller sur le Play Store, vous tapez Monster Hunter Stories, le jeu il est en achat direct, je crois que c'est 18,99€, 24€, je sais plus. Bah, il coûte genre 20-25€ sur Android, ça a peut-être baissé depuis, je ne suis pas sûr. Et déjà, c'est moins cher que sur son opus 3DS, parce que la cartouche, tu l'as payé 40 balles à l'époque. Donc ils l'ont adapté, et non seulement ils l'ont adapté sur mobile, Android, etc., mais ils l'ont aussi rendu en HD, donc ça faisait plaisir. Tu disais, ok, super, j'ai acheté une version 3DS, la qualité est moindre, et en plus, je l'ai payé plus cher. Bon. Donc si vous les testez, vous faites pas chier à retrouver des 3DS ou quoi que ce soit à retrouver, il est sur mobile, si vous avez un mobile assez correct, il est en HD, ce qui est bien plus beau, comme vous pouvez le voir à l'écran.
Et on nous sort donc un Monster Hunter Riders, qui a l'air d'être un truc annexe, mais dans l'univers de Monster Hunter Stories. Sans doute que si on va sur la fiche du Play Store, on peut voir déjà ici qu'on a l'air d'avoir des ressources, mais c'est peut-être pas des ressources d'invocation. On a les trucs de préinscription, etc. sur le site officiel, et en fait on a des items qui vont nous permettre d'améliorer le niveau des monstres et d'améliorer le niveau des personnages. Ainsi que s'il y a, je sais pas combien il y a d'inscrits là, ça fait quoi, 20 000, 200 000, 200 000 inscrits peut-être, on aura un œuf de Racian 3 étoiles. Mais en mettant œuf de Racian 3 étoiles, tu vois, indirectement, tu mets un petit peu le côté rareté. Et si t'as un côté rareté dans un jeu mobile, on sait tous plus ou moins ce que ça veut dire. Donc, à voir ce qu'ils vont en faire vis-à-vis de ça. Le côté gacha, il y a plein de styles de gacha, donc ça va pas forcément dire il faut que t'invoques et puis basta. À l'inverse, quand j'ai regardé vite fait, mais vraiment en coup de vent, la vidéo de Gaijin Hunter, il parlait que tu contrôlerais des équipes. Donc je suis pas sûr, encore prenez des grosses pincettes, parce qu'il n'y a pas d'informations dessus. Je ne sais pas si tu vas voir ton perso comme dans Monster Hunter Stories, ou si tu vas voir justement une team de 3 ou de 4 dresseurs, des riders, pardon, 4 ou riders qui auront chacun leur monstre. Peut-être à la limite comme Pokémon Masters, peut-être que ça se veut un concurrent finalement à Pokémon Masters. Pokémon Masters, c'est un gacha dans lequel tu dois pool des nouveaux persos. Est-ce que ça serait similaire? On ne sait pas. Est-ce que en avançant dans l'aventure, tu vas avoir des personnages différents à améliorer? Est-ce qu'on va garder, pour moi, ce qui est vraiment le cœur du gameplay du jeu, c'est-à-dire cette personnalisation qui était dans Monster Hunter Stories, où par exemple, je sais pas, tu avais une Racian de base, tu pouvais carrément modifier son élément pour avoir une Racian de foudre et tout, et visuellement, ça changeait les pics, au lieu d'être noirs, ils étaient jaunes dorés, et au lieu de cracher des boules de feu, elle crachait des boules électriques vertes, et l'animation de combo était complètement modifiée, et j'ai trouvé ça dingue. Tu pouvais jouer avec les génétiques du monstre pour faire des trucs complètement tarés. Si tu voulais faire un Lagiacrus de feu, tu pouvais faire un Lagiacrus de feu. Il avait un peu d'écailles rouges et il te balançait des boules de feu. C'était trop stylé de pouvoir jouer là-dessus, de pouvoir jouer non seulement sur le monstre, la personnalisation, mais jouer également sur l'équipement de ton personnage qui te donnait accès à différentes compétences. Donc, est-ce qu'on va retrouver cette essence-là? Je sais pas. Après, les autres screens ne nous indiquent pas grand-chose. Là, on voit que c'est une autre Riders et tout. Là, on a le Brachydios. Mais on n'en sait pas grand-chose. Même si on fait un petit peu de play-pause, j'ai envie de vous dire. Ici, on a la tenue du Rajang après l'attaque du Zinok, qui est absolument incroyable. Voilà, là, c'est trop stylé. Théostra, donc là, vous voyez, ça va très vite. Alors, on essaie de play-pause. Bam. Alors, ça va même plus vite que ce que je pensais encore. Ok, donc là on a un genre de... Je sais pas si ça peut être un Riders invoqué qu'on récupère ou autre, justement. Ça fait partie de tout ça, de toutes ces questions qu'on se pose. Donc j'ai hâte d'en voir un petit peu plus. Là il y en a un, là il y en a une deuxième. Là il y en a une troisième, vous voyez, qui utilise un Lagombi. Donc ça peut être... Est-ce qu'on va avoir un système de dresseur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, avec le max à 5. Tous les dresseurs peuvent être 5 étoiles, mais quand tu les as 3 étoiles de base, ils sont plus rares. Vous voyez, est-ce qu'on a ce délire-là? Je vais mettre play-pause un petit peu. Là, c'est celle juste d'avant. Là, vous voyez, on a encore un genre de Riders différent. Là, on retrouve la même. Ici, on a encore un Riders. Je sais pas ce qu'il ride, un Velociraptor, lui. Un Velociraptor, un grand Jaggi. Non, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Ah si, c'est le truc avec la trompette, là, qu'on a vu un petit peu plus avant. Donc là, on a du, voilà, un Riders sur une base de Nargacuga. Là, on a donc elle qui a son Rathalos, donc ça a l'air d'être le perso de base en soi dans le jeu. Mais on n'est peut-être pas sur l'avatar. Alors, on est sûrement sur des persos, on va dire, qui vont être tirés dans l'histoire. Elle, par exemple, on va sûrement commencer avec. Lui, on l'aura avec son Lagiacrus. Elle avec son Zinok. Donc, on aura sûrement certains persos qui nous seront donnés, que tu vas récupérer. Donc, à voir, est-ce qu'on arrive sur un truc qui pourrait être hyper intéressant, c'est-à-dire une évolution du gameplay fade de ce qu'était Monster Hunter Stories, avec une base de pierre, papier, ciseaux, mais qui finalement, bon, y avait un petit intérêt, parce que tu pouvais faire des dégâts supplémentaires, des combos, etc., et selon les armes que tu utilisais, c'était cool. Ou est-ce qu'ils vont complètement abandonner ce système, de dire pierre, papier, ciseaux, non, c'est mort, maintenant, on va passer sur un jeu
de team building. Et le team building pourrait également s'avérer intéressant sur un jeu comme Monster Hunter Stories si on a des choix de technique en fait. On n'aurait plus ce côté pierre-papier-ciseaux, on pourrait avoir des choix de technique avec genre 3 ou 4 riders sur le terrain. On peut repérer ça, alors je sais pas, ça peut être issu de l'histoire ou quoi que ce soit, je sais plus à quel moment c'est. On les voit un petit peu tous sur le terrain. Alors vous voyez, bah, regardez ici. Par exemple là, on a l'air d'avoir un méchant qui fait son intro, donc qui est intégré, bam. Donc lui il a l'air d'arriver au centre, on voit qu'il a un acolyte à droite avec un genre de fusil arbalète léger, et juste avant, là on voit même encore un peu mieux, donc ici il a un acolyte à droite avec un fusil arbalète léger, et à gauche avec épée bouclier plus un gypséros. Donc là-dessus vous voyez, on dirait que c'est une intégration à 3. Alors est-ce que c'est pour une cinématique ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourra en déduire les choses. Là, ça a l'air d'être une des méchants. Là, on a l'air d'avoir lui, qui a l'air d'avoir un truc. Là, encore une fois, du Rajang, la Gekrus, Zinogre. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Vous voyez, encore une fois, on a des Riders ici qui ont l'air d'être associés à chaque fois. J'allais dire un Temtem, mais un monstre. Là, on a le Barrios. Il y a une Garuga, on a le Brachydios. Encore une fois, elle est trop stylée, elle. Oui, on y voit pas mal d'informations, mais en même temps, tellement peu de choses. Regardez, là, on a encore un Riders qui a l'air d'être associé à un Zamtrios. Là, on a du Ludros en dessous, avec une autre Riders associée. Là, on en a une qui est associée... Ah, elle est tellement stylée, associée à la Racian Sakura, par exemple. Moi, j'ai envie de dire oui. Ah, lui, ça a l'air d'être la mec associée au Barrios. Et donc, là-dessus, j'ai envie de te dire oui. Bah, le côté Pokémon Master, où t'avais un dresseur associé à son Pokémon, je trouvais ça cool. Après, c'est le gameplay, quoi. Le gameplay, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Parce que tu peux en faire des choses. Voilà, encore une fois, là. Vous voyez ici? Ah, ben, hé. Là, je pense qu'on a quelque chose. Et j'avais même pas fait encore un play pause là-dessus. Mais ici, tout à gauche, on a le gars qui est stuffé, donc, avec la lance et le Lagiacrus. Ici, au milieu, on a la nana qui a l'air d'être la nana principale, avec son Katana et le Rathalos, et à droite, on a la nana qui est en stuff Zinogre, avec son Zinogre. Et en face, on a du coup un genre de méchant grande épée d'Argakuga, un genre de méchant épée bouclier Yangaruga, et un des mecs qui a carrément... C'est quoi ça? C'est un Glavenus, ça? C'est un Glavenus, ok, mais c'est... l'aspect était chelou quand je regardais. Et l'arme, je vois pas du tout ce qu'il a. Ouais, c'est un Glavenus, ça c'est sûr. Écarte Koyo, donc là c'est Glavenus. Et on a peut-être justement aussi des attaques combo, des attaques trio, je ne sais pas. La Gyakus Ivoire, lui il a l'air d'être stylé. On y retrouve des dresseurs. Ouais, pour moi je pense qu'il va y avoir un truc de team. Si on y amène du team building et qu'on y laisse le côté pierre-papier-ciseaux qui était un petit peu remplissage hein, sur Monster Hunter Stories, parce que le gameplay était pas fou, quoi. C'était vraiment tout ce qui était personnalisation, histoire, et tout ça qui te mettait dans le jeu. Si on y atteint un gameplay un peu plus conséquent, un peu plus stratégique, mais plus fixé, autre que pierre-papier-ciseaux, je sais pas. Là je suis curieux, je vous le cache pas, ça m'intéresse. On va se donner rendez-vous. Je sais qu'il est prévu pour l'instant de sortir uniquement qu'en Asie, au Japon. Je vais me démerder. Il va falloir que je l'installe quelque part pour essayer de vous en faire des vidéos, ça c'est clair. Émulateur ou pas émulateur, je me débrouillerai pour vous en faire. Surtout s'il est free-to-play, en fait, ça coûte rien. Donc, à voir également s'il sortira par chez nous. Ça, j'ai pas eu de confirmation. Donc, à voir. On n'a plus qu'un mois à attendre. Je pense qu'on aura de plus en plus de vidéos qui ont été diffusées. Il y a une chaîne, là, ici, hein, qui a été 475 abonnés avec une seule vidéo, Monster Hunter Riders. Je vous y invite, du coup, à suivre cette chaîne aussi, si ça vous permet d'y trouver un petit peu plus d'informations. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Je suis hyper content, cette journée démarre très bien. J'ai même pas toussé, alors que d'habitude, je suis malade. Ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me dire quel est votre niveau de réaction dans les commentaires, parce que je sais qu'on en parle assez souvent sur mes streams. Monster Hunter Stories 2. Bon, ok, c'est pas celui-là qu'on voulait, mais peut-être que c'est une annexe pour tester des choses qui vont être modifiées dans un vrai Monster Hunter Stories 2. Why not? Je ne sais pas. Moi, cette patte graphique, je suis dingue. Donc, allez, ciao tout le monde. Portez-vous bien, prenez soin de vous.